5 tués par une tornade vers Oklahoma City. Une mère de famille et son bébé ont été tués samedi matin par une tornade qui a fait 5 morts aux alentours d'Oklahoma City, annoncent les autorités américaines. Cet incident intervient une dizaine de jours après la mort de 24 personnes à la suite d'une perturbation de ce type dans la ville de Moore, également proche de la capitale de l'Oklahoma. La mère et son enfant circulaient en voiture sur une autoroute à l'ouest d'Oklahoma City lorsque leur véhicule a été emporté par la tornade. Les services météorologiques des États-Unis avaient déclaré l'état d'urgence à Moore et d'autres banlieues d'Oklahoma City. Deux autres décès ont été signalés à Union City et un cinquième à El Reno, toujours à l'ouest d'Oklahoma City. Une cinquantaine de personnes sont actuellement soignées après avoir été blessées dans les tornades et 5 d'entre elles sont dans un état critique. 3 autres personnes ont déjà été tuées par les tornades jeudi dans l'Arkansas alors que 2 états voisins sont sillonnés par une dizaine de ces perturbations depuis plus d'une journée. Le maire de Moore, Glenn Lewis, interrogé par la télévision CNN, a jugé incroyable que sa ville soit de nouveau frappée. Le président américain Barack Obama s'est lui-même rendu à Moore dimanche afin d'assurer aux habitants que le gouvernement fédéral leur fournirait l'aide nécessaire et a notamment visité l'école élémentaire de Plaza Towers où 7 enfants ont été tués.